Et salut tout le monde, c'est Raji. On se retrouve en ce week-end de Pâques pour un nouvel épisode de Trigger. Nous allons continuer nos petites pérégrinations. La dernière fois, nous avions exploré la forêt et nous avions trouvé une espèce de tourelle à laquelle nous avions pu finalement nous connecter. Après une petite poursuite dans la forêt d'étranges créatures. Et nous avions terminé l'épisode par une petite séance de lecture en allant dans l'ancienne bibliothèque. Et c'est là-dessus qu'on avait terminé, me semble-t-il. Et donc du coup, j'avais préféré ne pas aller plus loin parce que ça faisait déjà pas mal pour l'épisode. Et donc aujourd'hui, on va continuer l'exploration de la forêt en espérant tomber sur une puce qui nous permettra de débloquer un autre fragment de souvenir. Hein, parce que moi j'attends avec impatience la suite des aventures. Donc je remercie tous ceux qui jouent au jeu de ne pas m'avoir spoilé, pardon. Et voilà, parce que le jeu m'intéresse vraiment et j'aime bien découvrir comme ça en direct. Au fur et à mesure que je joue avec vous. Voilà. Alors, on va y aller. Alors, maintenant. 1. Forêt d'ébène bouton. 2. Ruine grise bouton. On a ça. 3. Ne pars pas bouton. Ne pars pas. 2. 1. Forêt d'ébène bouton. Et du coup, on n'a plus accès à la bibliothèque. Insecte bouton. Ah non, on n'a plus. Principale région. 2. Rue 1. Forêt d'ébène bouton. Alors, forêt d'ébène, on y va. C'est parti! Bouton de principale région entre votre tête et la canopée, des insectes étranges virevoltent. Ils hurlent en se déplaçant. Votre chance de trouver des jetons semble peu probable, x0,5 points. Ok, bon, ça c'est normal. 1. Continuez santé 2. On y va. Bouton principale région, le sol est en pente vers le bas ici, et le sol est meuble. Il y a des empreintes de pas bottées qui traînent. Vos chances de trouver des jetons semble peu probable, x0,5 points. On y va. Ah, des empreintes de pas. Est-ce que c'est les nôtres? 1. Continuez. Bouton principale région, vous êtes entouré de plantes extraterrestres au corps bulbeux. Un liquide semblable à de la sève. Les fameuses plantes. 1. Continuez. On y va. Bouton principale région, les rochers se regroupent ici pour former un chemin étroit. Des plantes bulbeuses poussent sur le dessus. Vos chances de trouver des jetons semblent faibles, x1 point. Pendant que vous marchez, la lumière du soleil se lave sur votre peau et vous remplit. Ok, nickel. Ça nous régénère quelques points de santé. 1. Continuez. Bout principale région, un extraterrestre humanoïde saute de la canopée. Ils se lèvent et tournent leur perche, pointant l'extrémité pointue vers vous. Ah bon? Tu veux que je tourne ma perche aussi, moi? 1. Suivant bouton. Alors. Bout principale région et l'extraterrestre humanoïde se tient devant vous, prêt à se battre. Des ailes en forme de tulle sortent de leur dos. Leur CR stick est prêt. Ils ont l'air complètement indemnes. Votre biogrenade a actuellement. Alors, ça, je vais pas utiliser. Alors, est-ce que je crois qu'ils absorbent les dégâts? Je sais plus. 1. Tirez bouton. 2. Frapper bouton. On va le frapper en premier, si on peut, mais je crois que ça a échoué. Bout principale région, vous vous précipitez sur elle extraterrestre ailée, mais ils évitent votre coup. Vous avez raté. Il semble prédire vos attaques à la lame, et l'extraterrestre ailée vous tire de elle acide avec son... Ah non, c'est celui-là. Percuteur, mais vous esquivez leur attaque. Vos muscles et vos blessures guérissent au milieu du combat. Vous régénérez. Vide. 1. Suivant bouton. Donc, on y va au tir à distance. Go. Principale région. Comme on dirait dans Pékin Express. Go. 1. Tirez bouton. Allez. Bout principale région, vous alignez le tir et tirez sur elle extraterrestre ailée. Il se connecte, traitant santé 24 dégâts. Voilà, tiens, qu'est-ce que tu dis de ça? Vide. Et l'extraterrestre ailée vous poignarde avec son percuteur. Il se connecte, traitant santé 10. Ah, c'est pas mal. 1. Suivant bouton. C'est très méchant même. Bouton me principale région. 1. Tirez bouton. Tiens. Bout principale région, vous appuyez sur la gâchette et tirez une explosion écarlate sur elle, l'extraterrestre ailé. Il se connecte, traitant santé 24 dégâts. Voilà. Bouton 1, suivant. Yes, on l'a eu. Il a pas eu le temps de riposter. Bouton principale région, vous finissez l'extraterrestre humanoïde, répandant son sang sur le sol. Il trébuchait. S'effondre face la première. Vous obtenez. Vide, puce électronique sans. Voilà, bien, ça c'est bien. Mais un gentil petit extraterrestre. Bouton 1, suivant. Bout principale région, vous êtes entouré de plantes extraterrestres au corps bulbeux. 1. Continuez sans. On connaît. Bout principale région devant vous. Il y a une falaise abrupte de roches qui s'étend à perte de vue. L'escalader demanderait beaucoup d'énergie.
vide, à proximité, il y a une grotte dans l'obstruction, et elle est inclinée vers le haut, un raccourci. Potentiel, mais tout peut arriver là-dedans, si ce n'est pas stable, ou si vous êtes attaqué, il sera difficile de s'échapper. Eh bien, on va prendre le raccourci. 1. Suivant bouton. Bouton principe 2. Essayez le raccourci bouton. Allez, attention. Voler ! Qu'est-ce qui va nous arriver ? Bout de principale région, vous vous frayez un chemin dans le passage creux, tentez votre chance. Bien que le chemin soit étroit, vous pouvez avancer à un bon rythme. Au bout d'un moment, la lumière de l'autre côté est visible et vous êtes de l'autre côté. Oui ! Vide. 1. Suivez. Alors. Bouton principale région, la lumière du soleil traverse la canopée en attrapant le pollen scintillant dans l'air. Vos chances de trouver des jetons semblent faibles. X un point. Bon, c'est déjà pas mal. 1. Continuez sans. Allez. Trouve-moi une petite puce. Principale région, il y a une clairière ici avec un tas de cendres au milieu. Des empreintes de bottes l'entourent. Vos chances de trouver des jetons semblent justes. X 1,5 point. 1. Continuez. Allez, bouton menu. Avance. Principale région, des morceaux de fer déchiquetés deux fois votre taille sortent du sol ici. Vos chances de trouver des jetons semblent bonnes. X 1,5 point. Votre peau est vous remplie d'énergie. Vous régénérez. Vide, vide, vide. Alors. Bouton principe santé 133 barre oblique 150 plus électronique. Ouais, 133, ça devrait le faire. Bouton principe 1. Continuez santé 5 boutons. On y va. Bouton principale région, un extraterrestre humanoïde saute de la canopée. Ok, bien. 1. Suivant. On y va. Bouton menu principal. Go, 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 go. 1. Tirez bouton. Tiens. Bout principale région, vous appuyez sur la gâchette et tirez une explosion écarlate sur elle. L'extraterrestre ailé, il se connecte, traitant santé 23 dégâts. 23, ouais. Vide. Toi, tu me fais combien ? Et l'extraterrestre ailé vous lance un jet d'acide à partir de son percuteur. Mais vous esquivez leur attaque. Nickel. 1. Suivant. Donc là, si je me débrouille pas trop mal, prochain coup, je le démolis. Principal 1. Tiens. Bouton principale région, vous alignez le tir et tirez sur elle extraterrestre ailé, il se connecte, traitant santé 26 dégâts. Bon, c'est bon, il est mort. Vide, vos muscles et vos blessures guérissent au milieu du combat. Yes. Vous régénérez 15 CV. Oh yes, ça c'est bon ça. 1. Suivant bouton. Bouton principale région, vous finissez l'extraterrestre humanoïde, répandant son sang sur le sol. Il trébuchait. S'effondre face la première. Vous obtenez. Vide, puce électronique 151. Nickel. Une puce de plus que tout à l'heure. Bouton 1. Suivant. Pas non, pas d'autre. Bouton 1. Qui boin. Bouton principale région, il y a des chemins à travers l'épaisse végétation. Les murs végétaux du chemin ont été cisaillés. Et l'extraterrestre humanoïde que vous avez combattu est allongé face contre terre. Vos chances de trouver des jetons semblent justes. X 1,5 point. Nickel. 1. Continuez. On y va. Bouton principale région, vous êtes entouré de plantes extraterrestres. 1. Continuez. Bout principale région, en avant, il y a une petite boîte en métal qui sort du sol. Ah. Il y a des traces autour de lui, mais elles se sont estompées dans l'obscurité. Vide, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur, oui, mais ces traces sont suspectes. C'est pas grave, on va fouiller quand même. 1. Suivant. Bout principale région 1. Ouvrez la boîte. 2. Quittez la. 1. Ouvrez. Allez, trouve-moi quelque chose. Bout principale région, vous ouvrez la boîte avec la pointe de votre arme à feu. C'est complètement vide à l'intérieur. Eh ben non. 1. Suivant. Bouton principale région, des morceaux de fer déchiquetés deux fois votre. 1. Continuez santé 5 boutons. Ça, combien ça nous coûte maintenant de revenir au cas où. 2. Retour santé 15. 3. Ou un bouton. Recherchez dans les ongles. 3. 2. 1. 2. Retour santé 15 boutons. C'est 15, ok, ouais. 1. Continuez santé. On y va. Bout principale région, il y a une clairière ici avec un tas de cendres au milieu. Des empreintes de bottes l'entourent. 1. Continuez. On s'en fiche. Bouton principale région, un extraterrestre humanoïde saute de la. Ah voilà, de la baston. 1. Suis. Allez. Bout principal 1. Tirez bouton. On y va. Tiens. Bout principale région, vous alignez le tir et tirez sur elle extraterrestre ailé. Il se connecte, traitant santé 26 dégâts. Yes. 26 du premier coup. Vide, et l'extraterrestre ailé vous lance un jet d'acide à partir de son percuteur. Vous êtes recouvert d'acide grésillant. Aïe. Bouton 1. Suivant. Bouton principal 1. Tirez bouton. C'est pas grave, tu feras pas long feu mon gars. Bouton principale région, vous appuyez sur la gâchette et tirez une explosion écarlate sur elle extraterrestre ailé. Il se connecte, traitant santé 23 dégâts. Tiens, vide, mort. L'acide brûle votre peau. Vous ne pouvez pas vous régénérer. Bouton 1, suivant. 1, suivant bouton. Bouton principale région, vous finissez l'extraterrestre s'effondre face la première. Vous obtenez vide, puce électronique 201. Yes, ça c'est bon ça. Bouton prince santé 123 barre. 123, ça commence à piquer quand même. Bouton. Principe 1, suivant bouton. On va attendre un petit peu avant d'utiliser l'eau. Bouton principale région entre votre tête et la canopée, des insectes étranges virevoltent. Ils hurlent en se déplaçant. Elle, extraterrestre humanoïde que vous avez con. Ça, on sait. 1, continue. Il bouton a... principale région, vous apercevez un gigantesque morceau de métal qui écarte la forêt qui respire. Cela semble être une sorte de structure. Vérifiez-vous.
Oui, mais je crois que c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. 1. Oui, bouton. Bouton principale région. Lorsque vous vous approchez de la structure, l'architecture s'avance de chaque côté de vous. C'est Ouais. comme une bouche ou un entonnoir naturel. Au sommet de celui-ci, vous pouvez voir le contour d'une porte. Vide, jolie. Vous descendez le gouffre métallique, la lame de pistolet à la main. En arrivant à un jet de pierre de la porte, vous remarquez de grandes tourelles cachées derrière des lèvres métalliques. Vide, déjà en mouvement, votre pied touche le sol. Cognez, ouïr, les tourelles précédemment. Dissimulées sortent du mur. Ils frémissent pour vous faire face. Oh non! Vide, oh merde. Non! Bouton 1, suivant. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller là? Oh! Est-ce qu'on me tirerait dessus par Bouton là? principal région PSS PSS Pshaw, vous heurtez le sol et dégringolez. Des rayons écarlates fouettent votre tête. Roulant derrière la couverture la plus proche, vous pressez votre arme à feu contre votre poitrine. Battante. Vide. Ouh là là, on va devoir se battre avec ces tourelles? Merde. Vous fixez vos yeux sur la voie d'évacuation trop étroite bombardée de tirs laser. 1. Piège mortel. Pas Ouh là d'issue à là. moins que je ne détruise cette tourelle. Ah ouais, c'est ça. Vide. Vous inspirez profondément, attendant que le tir s'arrête. Au moment où il le fait, vous tombez. Oups. Pour leur faire face. Bouton 1. Suivant. Bon, alors, ça c'est un espèce de combat de boss ou c'est quoi? Bouton principale région. Chaque tourelle a au moins la taille de vous. Montez sur des bras mécaniques robustes. Ils ont deux canons chacun et un blindage métallique derrière lequel se Oh là replier. là Ils là ont là l'air là. complètement indemnes. Votre biogrenade a actuellement vide. Chargez un charge. Ok. 1. Tirez bouton. Je pense que le mieux c'est de les avoir à distance, hein, de toute façon. On va tirer. Bouton principale région. Vous appuyez sur la gâchette et tirez une explosion écarlate sur les tourelles jumelles. Ils se connectent, traitant santé 25 dégâts. Ok. Vide, les tourelles jumelles glissent dans les murs et derrière le plaquage métallique. Ils sont passés sur la défensive. Ok. Bouton 1, suivant. 1, suivant bouton. Bouton principale région. Chaque tourelle a au moins la taille de vous. Alors on va essayer de le retirer. 1, tirez bouton. Et. Tiens! Bouton principale région, vous appuyez sur la gâchette et tirez une explosion écarlate sur les tourelles jumelles. Mais ils sont à peine brûlés. Leur DR absorbe 25 dégâts. Ah oh non! T'es... Ah ouais, merde, putain! Oh. Vide, lorsque vous attaquez une tourelle défendue, la seconde glissée vous fait exploser de votre côté. Explosé, ils se connectent, traitant santé 22 dégâts. Waouh! Aïe 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 aïe! Bouton 1, suivant. Ah oh non, 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 ça, c'est pas, ça va pas le faire, ça. Bout principale région, chaque tourelle a au moins la taille de vous. Bout. Non, je peux. Non, je peux pas me soigner. Sauvez bouton. Bout principal canon, biogrenade à actuel. Canon chacun et un blind. 1. Tirez bouton. 2. Frappez bout. 3. Spécial. Bouton. 4. Maîtrisez bouton. 5. Défendre bouton. 6. Fuir bouton. 7. Mode. Mortel bouton. Recherchez dans les onglets. 6. 5. 4. Maîtrisez bouton. 3. Spécial. Bouton. Oh là 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 là. 2. Frappez bouton. On va essayer de frapper du coup. Bout principale région, vous entrez et coupez vers le bas aux tourelles jumelles. Mais votre attaque les effleure à peine. Ouais, mais alors comment on fait? Leur DR absorbe 26 dégâts. Vide, lorsque vous attaquez une tourelle défendue, la seconde glissée vous fait exploser de votre côté. Aïe. Exposé, ils se connectent, traitant santé 18 dégâts. Aïe aïe aïe, ça va pas le faire. Vide, vos muscles et vos blessures guérissent au milieu du combat. Vous régénérez 15 CV. Bouton 1, suivant. Bon. Comment on fait? Principale région 1, tirez bouton. Parce que du coup. Principale région chargée 4 charges. Vide, biogrenade à actuellement. Canon chacun et un blindage métallique derrière lequel se replier. Ils sont un peu battus. Votre biogrenade à actuellement. Je sais pas quoi faire. 1, tirez bouton. C'est tirer. 2. Frapper bouton. 3. Spécial. Bouton. On peut faire la spéciale. Bouton principal 1. Flash, j'ai chargé 3 boutons. Si j'essaye. Prince bouton 1. Suivant. Aucune citation. Bouton principal région, vous lancez votre biogrenade sur les tourelles jumelles, qui explosent dans une rafale. Fulgurante. Mais votre attaque ne les étourdit pas. Les tourelles Merde. Jumelles continuent de se cacher. Derrière leur bouclier métallique, vous défiant d'attaquer. 1. Suivant bouton. Okay, bouton donc, principal non. 1, tirez bouton. Ce qu'on va faire, c'est quoi? 2, frappez bouton. 3, spécial, bouton. 4, maîtrisez bouton. 5, défendre bouton. Si on se met en défense, qu'est-ce que ça fait? Bouton principal région, vous vous préparez à la prochaine attaque en levant votre lame. Les tourelles jumelles continuent de se cacher derrière leur bouclier métallique, vous défiant d'attaquer. Vide, bouton 1, suivant. Ouais. Bouton principal 1, tirez bouton. 2, frappez bouton. 3. Spécial. Bouton.
Est-ce que je peux encore tirer une grenade? Bouton principal 1. Flash, j'ai chargé 3 boutons. Bout principal région, vous lancez votre biogrenade sur les tourelles jumelles, ouais, qui explosent dans une rafale. Fulgurante, mais votre attaque ne les étourdit pas. Non. Ne détectant aucune attaque, les tourelles jumelles glissent hors des murs, ils sont désormais exposés. Ok, nickel. 1. Suivant bouton. C'est ce qu'il fallait faire. Ah. J'aime bien ce genre de combat où on peut stratégique comme ça. Principal 1. Tirez bouton. Là, on peut les avoir du coup. Tiens. Bouton principal région, vous mitraillez sur le côté et tirez sur les tourelles jumelles. Ils se connectent, traitant santé 24. Dégâts, vide, les tourelles jumelles tirent un barrage d'énergie sur vous, s'engageant dans des tirs croisés. Mais vous esquivez la première attaque des tourelles jumelles. Vous esquivez la deuxième attaque. Ouh. Oh là 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 là. Des tourelles jumelles. Vide. 1. Suivez. Bouton principe santé 101 barre oblique. Ouais, 100 de santé, va falloir utiliser l'eau après. Bouton hein. Principal 1. Tirez bouton. Tiens. Bouton principal région, vous appuyez sur la gâchette et tirez une explosion écarlate sur les tourelles jumelles. Il se connecte, traitant santé 26 dégâts. Tiens. Vide, les tourelles jumelles tirent un barrage d'énergie sur vous, s'engageant dans des tirs croisés. Mais vous esquivez la première attaque des tourelles jumelles. Leur deuxième attaque touche. Non. Infligeant. Vide, santé 9 dégâts. Ça va, 9. 1. Suivant. J'ai encore de quoi tenir. Bouton principal région, chaque tour santé 92 barres oblique 150 puces électronique 400 principal région, chaque tourelle a au moins la taille de vous. Bouton principal 1. Tirez bouton. Tiens. Bouton principal région, vous appuyez sur la gâchette et tirez une explosion écarlate sur les tourelles jumelles. Il se connecte, traitant santé 24 dégâts. Tiens. Vide, les tourelles jumelles tirent un barrage d'énergie sur vous, s'engageant dans des tirs croisés. Leur première attaque connecte S, traitant santé 9 dégâts. Non. Vide, vous esquivez la deuxième attaque des tourelles jumelles. Bouton 1, suivant. Bout principal région, chaque tourelle a au moins la taille de vous. 1, tirez bouton. Allez, on tire. Bout principal région. On va bien finir par les avoir. Bouton 1, suivant. Ah, c'est bon. Principal région, vous alignez le tir et tirez sur les tourelles jumelles. Ils se connectent, traitant santé 24 dégâts. Bouton 1, suivant. C'est bon, on les a. 1, suivant bouton. Tiens, qu'est-ce que vous dites de ça? Bout principal région, la tourelle que vous avez ciblée tremble, puis explose. Une pluie d'étincelles, de fumée et de... Ferraille, vous vous tournez vers l'autre tourelle, prêt à un faible vrombi. Ferraille, vous vous tournez vers l'autre tourelle, prêt à l'action. Cependant, il laisse échapper un faible vrombissement et pointe vers le bas, complètement inerte. Un système fermé, vous tirez plusieurs fois. Aucune riposte ne vient à votre rencontre, et bientôt la deuxième tourelle naît. Plus que de la ferraille fumante, vous rengainez votre pistolet et vous approchez de la porte. Pas de panneau d'accès, mais il y a un petit écart dedans, vous regardez à travers. Intérieur sombré. Silencieux, en glissant vos doigts dans l'interstice, vous tirez sur l'une des portes. Lorsqu'il s'ouvre, vous clignez des yeux. Je ne pensais pas que cela fonctionnerait réellement, encore. Quelques coups et la porte grince et s'ouvre en glissant. Il est temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, tiens. Vide. On a trouvé une nouvelle zone. Vide. Vide. 1. Suivant. Par contre, ce serait bien de se soigner. Bouton principal région espace métallique vide. Les quelques caisses qui sont ici semblent être une réflexion après coup. Vide, bon sang, surpuissance complète sur les tourelles. Vous donnez un coup de pied à l'une des caisses, un écho résonne à l'intérieur. Je ne peux pas croire qu'il a déjà été pillé. Et si? Vide, alors que vous marchez vers l'arrière, vous voyez un scintillement dans le coin, venant d'entre. Oh, est-ce que c'est la fameuse puce que je cherche? Deux plaques murales, votre cœur bondit. Vous courez et regardez à l'intérieur. Vide, quelqu'un a coincé une puce de quartz ici. Oh, vous tissez vos doigts entre les panneaux et essayez de... le faire sortir, pouce par pouce, après une bonne vingtaine de minutes, et beaucoup de crampes aux mains, vous vous en sortez. Vide, quelqu'un essayait de te cacher, je pense. Ça aurait été un bon endroit aussi, quand les tourelles étaient actives. Vous glissez la puce dans votre poche, après avoir vérifié la pièce pour d'autres cachettes secrètes, et n'en trouvant aucune, vous décidez de retourner au camp. Vide, vous obtenez un puce de quartz. Yes, voilà ce qu'on était venu chercher. Bouton 1, suivant. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bouton principal région, vous entrez et vous vous accroupissez en enlevant vos bottes. La console d'Esra prend vie. Cela ressemblait à une bataille difficile. Ces tourelles n'ont pas lâché. Vous hochez la tête et remuez. Vos pieds maintenant libres, palpitant de la promenade de la forêt à ici. Ouais, tu regardais? Avec impatience, lorsque votre pouls et votre adrénaline augmentent, je passe des téléchargements. Incrémentiel au téléchargement en direct de vos données. La sphère d'Esra tourne lorsque vous marchez pour prendre un verre. Je ne veux pas regarder, mais je dois le faire. Chaque fois que... vous vous battez, je regarde entre mes doigts, pour ainsi dire. Vide, vide, vide. Alors. 1. Suivant bout. Bout principal région 1, je suis désolé que tu doives regarder ça bouton 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? 2. Je suis content que tu veilles sur moi bouton. Ouais. 3. Si vous avez le temps de regarder, pourquoi n'aidez-vous pas bouton?
Ouais, j'ai envie de répondre ça, moi. 4. Bon Dieu, je n'obtiens aucune pause de ta part, n'est-ce pas bouton? Recherchez dans Tri 3, si vous avez le temps de regarder. Pourquoi n'aidez-vous pas bouton? Allez, feignasse. Bout principale région O, je suis désolé, je vais me lancer dans le combat avec mes bras invisibles, n'est-ce pas? Là. Voix des Srasegis, je fais quelque chose, comme je l'ai dit, je télécharge vos données-en. Temps réel. Ou est-ce que quelqu'un d'autre devrait le faire? Oh je sais, et si vous restiez ici? Et faisiez ça et que je sorte et que je me batte? Idée géniale, Freddy. Vide, son avatar holographique est rouge flamboyant comme une supernova. Ah, eh bien, je suppose que cela répond à la question de savoir si vous pouvez énerver une IA. Vide, merde, cool tes circuits, Esra, vous vous adossez contre le mur et attendez, croisant obstinément. Cool tes circuits. Les bras, la sphère au-dessus de sa console diminue lentement de couleur, prenant un certain temps pour retrouver sa teinte glacée. Vide, tu as raison, c'était un commentaire désinvolte, et je serai adulte à ce sujet, vous n'êtes pas. Sur si elle vous parle ou elle, vous ne manquez pas son emphase sur le mojo. Ouf, calme-toi. Maintenant, bouton 1, suivant. Allez, allez. On fait la paix, ça, d'accord? Bouton principale région alors, regardons cette nouvelle puce de quartz, annonce Esra, comme la dernière fois, vous ouvrez. Le panneau est installé à côté du premier, vous attendez avec impatience le verdict. Vide. Le verdict, on dit. Semble complètement fonctionnel, conclut elle. Si vous sautez dans le progéniteur, je peux lancer le processus de récupération. Vide, vous montez dans le tube familier et vous vous allongez. Il se termine par un chaume sonore. Allez. Bouton 1, suivant bouton. Qu'est-ce qui va se passer? Principale région, ça commence à devenir une routine, être immergé dans ce tube. Le liquide ne me dérange presque plus. Vide, vide. Ok. 1, suivant. Voilà. Bouton principale région, vous enfilez la combinaison spatiale. Il est lâche car il claque contre votre corps. Les gants sont au moins deux fois plus grands que vos poignets. Un malaise familier. Vide, on pourrait penser qu'ils obtiendraient quelque chose de mieux que ça avec tout le financement qu'ils reçoivent. Se plaint Léon avant que vous ne puissiez y arriver. Vous lui lancez un sourire. Entendu et prenez votre arme à feu. Vide, eh bien, vous savez, nous sommes des marchandises précieuses à ce stade. Une fois que nous avons nos progéniteurs, alors nous sommes des biens fragiles. Vide, en parlant de ça, assurez-vous que votre arme est réglée sur 0,2% de sortie. J'ai toujours la brûlure de la dernière fois. Vide, à droite. Une fois que vous avez tous les deux vérifié tout, vous vous tenez devant l'épaisse porte à cloison. Ces faux moteurs anti-gravité sont bruyants. Quelqu'un devrait les vérifier. Bouton 1, suivant. Bout principale région, vous pouvez blâmer le bruit pour ma victoire imminente, annonce Léon sur les comms alors qu'il flotte dans la zone d'entraînement. Vous le suivez peu de temps après, puis l'utilisez comme planche pour vous rendre à votre zone de départ. Ouf. Vide, ne comptez pas vos poulets flottants avant qu'ils n'éclosent. Tu souris, flottant loin de lui. J'ai peut-être perdu la dernière fois, mais ce n'est pas encore une série de victoires. Vide, tu as de la chance que je ne puisse pas tirer tant que les feux ne passent pas au vert. Techniquement, Léon souffle, prenant beaucoup plus de temps pour se rendre à sa position de départ. Tu ne trouves pas que c'est bizarre qu'il nous fasse faire des combats en apesanteur? Vide, eh bien, en tant que correcteur, nous devons être prêts à faire face à n'importe quel scénario. Vide, ouais, mais tout ça est très en desgame, tu sais. Léon atterrit sur le PADFL lentement. Ah, une petite référence à un film de science-fiction, Endgame. Tourné sans Gunblad, tu laisses échapper un soupir exaspéré. Vide, merde, Léon, as-tu parcouru ma collection de romans anciens? Je te l'ai dit, prends tes propres copies. Bouton 1, suivant. Ah, alors, est-ce que ça fait référence au roman qu'on aurait trouvé dans l'ancienne bibliothèque, là? Prince, bouton 1, suivant. Bout principale région, bip. Les plaquettes de départ passent du rouge d'avertissement au vert fluorescent. Avant que vous ne vous en rendiez compte, Léon vous bombarde d'explosions écarlates. Heureusement pour vous, le manque de gravité a détourné son objectif. Ça va pas, non? Vide, je suppose que c'est pourquoi nous avons besoin de pratique. Vous vous précipitez vers votre proie. Alors qu'elle part en vrille arrière. Si vous vous dépêchez, vous pouvez l'attraper avant qu'il ne vous fasse face à nouveau. Vide, gagnant-gagnant, dîner au poulet. Léon crie. Vide, est-il en train de dire que le gagnant achète le dîner, ou essaie-t-il de me faire perdre mon jeu? Dans tous les cas, je ne vais pas perdre. Bouton 1, suivant. 1, suivant bouton. Ah, alors un petit duel contre Léon. Bouton principale région, Léon flotte devant vous, armé de sa lame de pistolet. Il a l'air complètement indemne. Il est à moyenne portée. Votre bio-grenade a actuellement vide, chargez un charge. Hein, attends. 1, tirez bouton. J'ai ça. 2, frappez bouton. Je peux faire ça. Tiens. Bout principale région, vous vous rapprochez et frappez Léon avec votre lame, mais gardez-la peu profonde. Il se connecte. Trait en santé, 14 dégâts. C'est tout. Vide, en réponse à votre attaque, Léon se déplace plus loin et hors de portée de votre lame. Bouton 1, suivant.
Très bien. Bouton principal région Léon flotte devant vous. 1. Tirez bouton. Tiens. Bouton principal région, vous vous accroupissez sur un genou et tirez sur Léon. Il se connecte, traitant santé 16 dégâts. Tiens. Vide, désormais au loin, Léon aligne un tir bien ajusté avec Sanguine Blade. Il connecte S, traitant santé 11 dégâts. Okay. Bouton 1. Suivant. 1. Suivant bouton. Bout principal région Léon flotte devant vous. Armé de sa lame de pistolet. Il a l'air assez blessé. Il est à longue distance. Votre biogrenade a actuellement. Vide. Chargé 3 charges. Ok. 1. Tirez bouton. On va faire ça. Ou ça. Ça. Tiens. Bout principal région vous aligne le tir et tirez sur Léon. Il se connecte, traitant santé 14 dégâts. Vide, désormais au loin, Léon aligne un tir bien ajusté avec Sanguine Blade. Il connecte S, traitant santé 11 dégâts. Okay. Bouton 1, suivant. Bout principal santé 128/150 plus. Okay, bouton bon, principal 1, tirez bout. Tiens. Bout principal région vous tombez en avant et tirez sur Léon. Il se connecte, traitant santé 14 dégâts. Vide, en réponse à votre attaque, ouais. Léon plonge vers l'avant, se déplaçant si près que vous ne pouvez pas. Aligner un tir. Okay. Bouton 1, suivant. Parfait. Bout principal 1, tirez bouton 2, frappez bouton. Bout principal région Léon flotte devant vous, armé de sa lame de pistolet. Un coup de plus les acheverait. Il est à bout. Portant, votre biogrenade à 1, tirez bouton 2, frappez 3, spécial 4, maîtrisez bouton. Hop, on fait comme ça. Bout principal région, vous alignez votre dernier coup et frappez Léon à la poitrine. Il flotte à l'envers, complètement évanoui. Avec un sourire, vous flottez et l'attrapez par le pied, puis le traînez jusqu'à la porte. Le paramètre d'étourdissement est assez faible, il est réveillé au moment où vous y arrivez. Yeah. Comment j'étais bien nu, mec. Vide, ce qui s'est passé, Léon se frotte les yeux, vous souriez. Pardon ? Voilà, voilà. Hop. On reprend. Alors. Vide, ce qui s'est passé, Léon se frotte les yeux, vous souriez. Vide, tu me dois un dîner au poulet, c'est quoi? Vous le jetez dans le sas, un exploit facile compte. Tenu de la faible gravité puis vous entrez vous-même. Dans un mouvement plutôt calculé, Léon, appuie sur le bouton à l'intérieur juste au moment où vous dégagez la porte. Au retour de la gravité, vous flottez tous les deux lentement vers le sol. Vide, c'est un dicton de la ruelle de Gras pendant la Grande Dépression de la vieille Amérique. Explique Léon, s'il gagnait, cela signifiait qu'il pouvait s'offrir du poulet ce soir-là. Vide, oh, et je pensais que les seuls livres que tu lisais étaient les miens. Tu nous dois toujours à, hacher à moi un dîner au poulet, cependant. Vide, hache aussi, bon sang. Bouton 1, suivant. Ah franchement, vraiment sympa là, c'est ce petit combat. Bouton 1, next, bouton principal région en parlant des haches, elle est là quand vous entrez dans la loge. Elle tapote sur son datapad. La jolie hache. Vide, sans doute une sorte de test de programmation. Vous avez hâte d'enlever votre costume, et hache pose sa serviette pour vous aider. Vide, tu as gagné, je savais que tu le ferais. Hache sourit, vous soufflez la fumée imaginaire de votre baril, et j'ai entendu dire que Léon nous devait un repas. Vide, tu as bien entendu, quel est le dîner de poulet le plus somptueux qui soit? Vide, poulet de Bresse au mori et vin jaune du Jura, vous informe H sans hésiter, je suis un carrément fou de la bouffe. Vide, le visage de Léon pâlit, tu ne peux pas être sérieux, tu vas me nettoyer pendant un mois. Qu'est-ce que ça veut dire ça, tu vas me nettoyer pendant un mois? Vide, gagnant-gagnant, dîner au poulet, Léon, souriez-vous en rangeant votre arme de poing. Bouton 1, suivant, 1, suivant bouton. Bouton principal région, vous recevez un ping cognitif, une alerte d'actualité. Au même moment, H plisse les yeux et les yeux de Léon s'écarquillent. Apparemment, ils ont le même message. Ah. Vide, il y a eu un soulèvement sur la colonie Baldur de Saturne. Le gouvernement de la Terre a déjà envoyé des troupes de surpression jovienne, mais elles sont à 4,3 UA de distance. Vide, le temps qu'ils arrivent là-bas, ce sera probablement un bain de sang comme Cérès, murmurez-vous.
Vide, l'ambiance dans la salle s'est définitivement atténuée. Vide, c'est à ça que sert le projet B, n'est-ce pas, annonce Léon en secouant vos deux épaules. C'est pourquoi nous faisons cela. Si cela fonctionne, il n'y aura plus de raison de conflit. Bouton 1, suivant. Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires ? 1, suivant bouton menu. Ah non, je vais savoir la suite. Bout principale région. Vous n'êtes ni éveillé ni endormi. Vous pouvez entendre la voix d'Esra dans votre tête. Il y a un autre souvenir fort ici. Je vais le remonter maintenant. Vide, bouton 1, suivant. Ah voilà. Bouton menu principale région station Zoo. Nous l'avons fait. Léon frappe votre bras avec enthousiasme alors que vous quittez la navette. H n'est pas loin derrière. Vide, vous aspirez profondément. L'air est assez étrange pour une station spatiale. Naturelle, non. Stérile, comme être de retour sur Terre. Vide, c'est entièrement intentionnel. Aboie une voix forte. Vous vous retournez. Il y a cheveux sans... C'est entièrement intentionnel. Aboie une voix forte. Vous vous retournez. Il y a un homme au... Cheveux cendrés avec des rides profondes sur le visage. Il porte le long manteau blanc d'un scientifique, mais son insigne révèle son rang. Si, scientifique, mais son insigne révèle son rang. S'il y a une chose que nous avons perfectionnée ici, c'est la production d'oxygène entièrement authentique. Vide, président Ardran Gray, vous l'avez vu plus de fois aux infos que vous ne pouvez compter. Et pourtant, il vient vers vous avec une poignée de main et une prise ferme, bien plus fort que je ne le pensais. Tiens, tiens. Vide, c'est un plaisir d'être à bord de votre station spatiale, préside, déclare H, vous, devançant ainsi que Léon. Bouton 1, suivant. Intéressant, donc on est directement en contact avec le président. C'est... Bouton 1. C'est-à-dire qu'on est plutôt bien vu dans notre hiérarchie. Bouton principale région, tout le plaisir est pour moi. Je suis toujours heureux d'accueillir nos candidats correcteurs qui réussissent, ainsi que des experts prometteurs en IA. Les deux sont d'une importance vitale pour le succès du projet en B. Vide, je suis très impatient de voir les projets Esra et Gabriel. Sacha admet, le président caresse son menton couvert de poils. Vide, eh bien, vous n'aurez pas à attendre longtemps. Tous les nouveaux arrivants ont droit à une visite complète de la gare, car ce sera votre maison pendant un certain temps. Bouton 1, suivant. Bouton principale région, c'est la salle avec les pots d'entraînement holo. Le président Gray fait un geste vers la gauche. Ils sont essentiels au succès du projet en B. Mais encore une fois, tout ici l'est dans une certaine mesure. Un peu plus haut, nous avons la conception d'un bioréacteur. Vide, ils ne sont pas assez efficaces, demande Léon, les sourcils levés. Le président a un léger sourire. Vide, si les réacteurs sont plus puissants, la portée du projet augmente et la marge d'erreur diminue. Ah, et nous avons ici les installations de Terraform. Vide, il y a deux gardes debout devant la porte avec une lourde armure anti-émeute. Votre cou vous pique aux visières et aux armes noires. Vide, ils se tiennent sur le côté pendant que le président Gray montre sa carte, puis enchaîne avec un scan biométrique. Sécurité. Bouton 1, suivant. Alors... Bouton principale région, c'est beaucoup de sécurité. Vous êtes le premier à en parler. Le président ne cligne même pas des yeux à votre question. Je suppose que c'est prévu. Vide, oui, la conception du bioréacteur et la terraforme sont hautement surveillées pour une raison. Il y a eu des cas de sabotage de la colonie, donc nous ne pouvons malheureusement pas laisser n'importe qui entrer. Vide, je pensais que les gens des colonies étaient les bienvenus pour rejoindre le projet en B. Demande Léon en fronçant les sourcils. Vide, ils le sont, absolument. Cependant, celui qui contrôle HCBF en ce moment contrôle l'héliosphère. Il y a un certain nombre de factions basées sur Terre qui nous inquiètent également. Nous, n'essayons pas de jouer les côtés. Vide, vous vous arrêtez devant l'une des nombreuses zones de test en vert. Les gaz tourbillonnent autour de lui dans de belles formes. Bouton 1, suivant. Principale région, il existe des dizaines de stations comme celle-ci, explique le président, chacune construite dans un but particulier. La station Zoo est conçue pour la bioconception, la recherche sur les terraformes et les dernières étapes de la formation des candidats correcteurs. Vide, les stations existent non seulement pour répartir les ressources afin que tout ne soit pas dans le même panier, mais aussi parce que le gouvernement de la Terre ne permettrait jamais à la recherche sur la terraforme d'avoir lieu sur la planète. Un incident pourrait anéantir toute la biosphère et la civilisation le long avec ça. Vide, mais il y a toujours les colonies, non, demande Léon. Vide, non, même si les colonies aiment imaginer le contraire, la Terre est une ressource précieuse. Aucun de nous ne peut vivre sans elle, et c'est là qu'intervient le projet en B. Bouton 1, suivant. Mais qu'est-ce que c'est que ce projet en B ? 1, suivant. Bouton principale région, une fois la visite terminée, voyage vous retirez dans vos quartiers. Au moment où vous entrez, vous retombez sur le lit. Ouf, les draps frais caressent votre peau. Vide, mec, j'ai les pieds fatigués. Zoo est bien plus gros que je ne le pensais, grognez-vous. H. Grimpe sur vous et pose son menton sur votre poitrine. Oh, elle grimpe sur moi. Vide, c'est bien, cependant, il y a tellement de choses ici, donc nous ne nous sentirons pas enfermés ou deviendrons fous. Les niveaux de nourriture étaient quelque chose d'autre, non? Vide, typique.
Tu souris et passes tes doigts dans ses cheveux. Elle se penche dans ta paume. Vide, bien sûr, mais au moins je suis cohérent. Elle embrasse tes doigts avec ses lèvres douces. Tu t'y recèles avec un petit rire. Vide, si tu vas faire ça, fais-le un peu plus haut. Bouton 1, suivant. Comment ça, fais-le un peu plus haut? Voilà. Bouton principal région, lorsque vous ouvrez les yeux, le tube est déjà vidé. Vous oh vous frottez les yeux et vous sortez. Oh non, je voulais savoir la suite, ce qu'il allait avoir entre H et lui. Vide, la station Zoo est l'endroit où mes archives disent que j'ai été créé et sera assemblée à Basourdi. Une grande partie de mon code original a été conçue par un professeur Luvia Aldrich, mais c'est à Zoo que j'ai finalement été achevé. Ok. Vide, tu as aussi des souvenirs, vous vous appuyez contre le mur, fixant sa sphère hologrammatique. Il pulse dans l'affirmative. Vide, ouais, je me souviens d'être né dans les étoiles, d'avoir traité des diapositives de biologie et d'avoir fait des calculs. J'ai appris la vie dans la dérive sans vie de l'espace. Elle fait une pause. Je me souviens aussi d'avoir été beaucoup plus complète, d'en savoir beaucoup plus. Mais, comme vous, je suis fragmenté. Vide, peut-être que les habitants savent ce qui se passe, maintenant que j'ai une puce de traduction. Je pourrais demander, en supposant qu'ils aient tous leurs souvenirs aussi, bien sûr. Bouton 1, suivant. Ah, ça risque d'être intéressant ça, ouais. 1, suivant bouton principal région, cela ressemble à un plan. J'ai remarqué une autre chose dans nos souvenirs, cependant. Vide, qu'est-ce que c'est? Vous haussez un sourcil. Un rire réprimé provient du haut-parleur. Vide, on dirait que tu t'es toujours plein de tes pieds endoloris. Chaque fois que tu viens ici, c'est tout ce dont tu parles. Et dans ce souvenir aussi. Bouton 1, suivant. Bouton principal région 1, et, je marche partout, c'est une plainte légitime. Bouton 2, U, 2, U, je n'avais jamais réalisé, je suppose que je me plains beaucoup de mes pieds. Bouton 3, et, au moins j'ai des pieds pour me plaindre. Bouton. Ah tiens, on va lui mettre une petite pique comme ça. Rechercher dans le tri, 2, 3, et, au moins. Bouton principal région et, c'est un coup bas, ou bien, ce serait un coup bas si j'avais des jambes. Vide. En parlant de bizarrerie, Esra, je parle peut-être beaucoup de mes pieds, mais tu parles toujours. De ne pas avoir de jambes. Qu'est-ce que c'est que ça? Vide, eh bien, les jambes sont intéressantes. C'est de loin ma partie du corps préférée. Le mouvement bipède est fascinant. Un jour, j'espère m'en procurer une paire. Vide, des objectifs de vie, je suppose. Mais quand vous les aurez, je vous garantis que vous vous plaindrez de vos pieds. Bouton 1, suivant. Bouton 1, bouton principale région déverrouillée, plus de souvenirs. Vide, vous avez maintenant la possibilité de dépenser des jetons dans le progéniteur pour déverrouiller des souvenirs mineurs. Ceux-ci ne sont pas essentiels, mais les déverrouiller peut vous offrir plus d'options à l'avenir. Ah, pas mal. Vide, au fur et à mesure que vous rassemblez plus de puces de quartz, vous pourrez restaurer plus de partitions de mémoire perdues. Bouton 1, suivant. Bouton principale région, vous vous tenez dans la clairière à l'extérieur de la pièce avec Israël en santé 128 bar. Principale région 1, explorer bouton 2, repos, restaure santé bouton. On va restaurer la santé. Bouton principale région, juste besoin d'un peu de nourriture et de sommeil, vous buvez un verre d'eau, tombez matelas et blottissez-vous sous les couvertures. Bouton 1, suivre. Okay. Bouton principe 1, explorer bouton 2, repos 3, ancêtre bouton 4, parler bouton. Si je fais ça. Rechercher de tri 3, ancêtre 4, parler bouton. Voilà, si j'ai des nouvelles options. Bouton principale région, vous entrez et vous vous appuyez. 1. Que pensez-vous que je devrais? 2. J'ai fini de parler. Merci. Recherche triche. 1. Non. 2. J'ai fini de parler. Merci. Et sera bouton. Ok, donc c'est pour des puces de quartz, absolument. Je pensais qu'avec les puces qu'on récoltait, on pouvait avoir des souvenirs mineurs. Ok. Bouton principale région, vous vous tenez dans la clairière à l'extérieur de la pièce avec Esra et l'ancêtre. Vous avez retiré quelques morceaux de gars. 1. Explorer bouton. Alors, on va refaire une petite incursion dans la forêt. Qu'est-ce que vous en dites? Bouton principal 1, forêt d'événements. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. La suite de l'aventure promet. Je ne sais pas ce qu'il en est de ses souvenirs, mais c'est assez intéressant. 2, ruine grise bouton. 3, ne pars pas bouton. Recherche tri. 2, 1, forêt d'événements bouton. Allez, on y retourne. Bouton principal région, un grand arbre ressemblant à du fer est allongé sur le côté. Des morceaux d'écorce ressemblant à du fer sont éparpillés. Vos chances de trouver des jetons semblent peu probables. 1. Continue. On y va. Bouton principal région, un grand arbre ressemblant à du... 1. Continue. On y va. Bouton principal région, un grand arbre... 1. Continue. Bouton principal région, en avant, il y a une petite boîte en métal qui sort du sol. Alors la petite boîte, on va la fouiller. 1. Suivant. Bouton principal... 2. Quittez la... 1. Ouvrez. Bouton menu, principale région, vous ouvrez la boîte avec la pointe de votre arme à feu. C'est complètement vide à l'un. 1. Suite. Bouton principale région, il y a des empreintes ici dans la terre. Ils ressemblent à des animaux et sont remplis d'un fluide. Visqueux. Voilà. Vos chances de trouver des jetons
1. Continuez santé 5 bouts. Bout principale région du feuillage, une créature orange semi-translucide se glisse. Des centaines d'insectes grésillent dans son pelage huileux. Bouton 1. Suivant. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est déjà ça? Je sais plus. Principale région facilement aussi grand que vous, quelque chose de sombre se cache sous la peau collante et grésillante de la créature. Au fur et à mesure qu'il s'égoutte, des marques de brûlure se forment. Sur le sol, il a l'air complètement indemne. Votre bio-grenade a actuellement. Je sais plus s'il y a. Je sais plus lequel c'est là qui absorbe nos dégâts. 1. Tirez bouton. 2. Frappez bouton. On va le frapper, tiens. Tiens. Bout principale région, vous tombez en avant et frappez la goutte brûlante, sans viser quoi que ce soit de vital. Il se connecte, traitant santé 17 dégâts. Lorsque vous les frappez, vous prenez santé 12 dégâts. Aïe. Ça fait mal. Vide, la goutte brûlante se jette sur vous, mais vous esquivez son attaque. Bouton 1, suive. Ah, j'aurais pu prendre plus cher que ça, ok. Bouton principal 1, tirez bouton. 2, frappez 3, spécial. Bouton menu, principale régie 1, flash j'ai chargé 3 boutons 2, arrière bouton. Bouton principal 1, tirez bouton 2, 3, spécial 4, effrayer bouton 5, défendre bouton 6, fuir bouton 7, mode, non létal, rechercher tricks okay, non, 4, effrayer bouton 3, spécial 2, frapper bouton 1, tirer bouton. On va essayer de lui tirer dessus. Bout principale région vous aligne le tir et tirer sur la goutte brûlante. Il se connecte, traitant santé 15 dégâts. Vide, la goutte brûlante se jette sur vous. Il connecte S, traitant santé 9 dégâts. Ah oui, quand même. Hein. Vide, vos muscles et vos blessures guérissent au milieu du combat. Vous régénérez 15 CV. Yes. 1. Suivant bout. Alors. Bout principale région facilement aussi grand que vous, quelque chose de son grésillante de la créature. Au fur et à mesure qu'il s'est sur le sol, il a l'air assez blessé. Votre bio-grenade a 1. Tirez bouton. On va te retirer dessus un coup, tiens. Bout principale région vous aligne le tir et tirer sur la goutte brûlante. Il se connecte, traitant santé 14 dégâts. Vide, la goutte brûlante se jette sur vous. Il connecte S, traitant santé 9 dégâts. J'arrête. Bouton 1, suivant. 1, suivant. Bout principale région facilement gré sur le sol. Il est sur le point de s'effondrer. Okay, votre bio grenade. On va essayer de faire. 1, tirer. 2, frapper bouton. 3, spécial. Bouton. 4, effrayer bouton. On va essayer de faire ça. Voilà. Bouton principale région, vous tirez un coup vers le haut, puis pointez votre arme vers la goutte brûlante. Sortez d'ici. Maintenant, blessé et maintenant conscient du danger auquel vous faites face, le bloc brûlant se retourne et s'enfuit. Vous rengainez votre gunblade. Vous obtenez vide, 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 puce électronique 98 et un supplémentaire puce électronique 39 en jetons intacts. Nickel. Bouton 1, suivant. Alors. Bouton principale région, la lumière du santé 123 barre oblique 105. Putain. Bien pris cher là. Bouton même, me principe 1. Continuez santé 5 boutons. On y va. Bout principale région, il y a des empreintes ici dans la terre. 1. Continuez. Bout principale région, les rochers se regroupent ici pour former un chemin étroit. Des plantes bulbeuses poussent sur le dessus. Vos chances de trouver 1. Continuez santé 5 boutons. Voilà. Bout principale région, le sol ici est recouvert d'une végétation santé 116 barre oblique. Est-ce que je ne prendrai pas. Oh, allez, quand même. Bouton principal 1. Continuez santé 5 boutons. 2. Retour santé 4. 3. Oh, un bouton. Bout principal région, vous ouvrez votre réserve. 1. Suivant bouton. Allez, voilà, comme ça on est à fond. Bout principal des jetons. Des morceaux de fer santé 150 bar. Bout principal 1. Continuez. On y va. Bout principal région, au fur et à mesure que vous avancez, une machine vous charge depuis le feuillage. Vous esquivez sur tranquille. Le côté et vous tournez pour leur faire face. La lame du pistolet tirée. 1. Suivant. Alors, c'est lesquels? Bout principale région, des étincelles jaillissent du châssis de la machine. Ses mains rouillées sont levées et ses yeux télescopiques tourbillonnent de manière asymétrique. Ils ont l'air complètement indemnes. Votre bio-grenade 1, tirez bouton. Tiens. Bouton menu. Principale région, vous mitraillez sur le côté et tirez sur la machine à étincelles. Ils se connectent, traitent dégâts. Leur vous mitraillez sur le côté et tirez sur la machine à étincelles. Ils se connectent, traitant santé 7. Ouf, ah ouais, non. Dégâts. Leur DR absorbe 10. C'est eux qui absorbent, ok. Vide, la machine à étincelles balance un point métallique flou vers votre visage. Il se connecte. Traitant santé 9 dégâts. Ah bon, tu veux cogner. 1. Suivant. Très bien, on va en cogner. Bout principe 1. 2. Frappez. Tiens. Bout principale région, vous vous rapprochez et frappez la machine à étincelles avec votre lame, mais gardez-la peu profonde. Il se connecte, traitant santé 17 dégâts. C'est déjà mieux. Vide, la machine à étincelles exécute un coup de pied tourbillon rapide au niveau de votre abdomen. Ouf. Mais, vous esquivez leur attaque. Oui, oui. Bouton 1, suivre. C'est moi qui vais t'avoir, c'est moi qui te le bouton dis. Bouton principal 1, type 2, frapper. Tiens, prends ça. Bout principal région, vous tombez en avant et frappez la machine à étincelles, sans viser quoi que ce soit de vital. Vous obtenez un coup critique, il traite santé 28 dégâts. Tiens, qu'est-ce que tu dis de ça? Vide, la machine à étincelles explose soudainement dans une explosion de flammes brûlantes. Il se
connecte, traitant santé 18 dégâts. Ah ou, ça fait mal. Vide, vos muscles et vos blessures guérissent au milieu du combat. Vous régénérez 15 CV. Ok, nickel. Bouton 1. Principale région, des étincelles jaillissent du châssis de la machine. Ses mains rouillées sont levées et ses yeux. Ouais. Télescopique tourbillonne de manière asymétrique. Biogrenade à acte télescopique tourbillonne de manière asymétrique. Un coup de plus les acheverait. Votre biogrenade a actuellement. Vide, chargé 3 charges. 1. Tirez bouton. Ce qu'on va faire, c'est... On va essayer d'avoir des puces intactes, ou pas. 2. Frappez bouton. 3. Spécial, bouton. 4. Maîtrisez bouton. Ça, voilà. Bout principale région, vous lancez un jet d'énergie juste devant la machine à étincelles. Sortez d'ici, maintenant. Allez, sortez! Sortez! Blessé et maintenant conscient du danger auquel vous faites face, la machine à étincelles se... retourne et s'enfuit. Vous rengainez votre Gunblade. Vide, vide, vide. Alors, bouton 1. Suivant. Tu me donnes pour... T'as pas de puce? Bout principale région, le sol ici est recouvert. Trouver des copeaux semble bonne. X 1,5 points. T'as pas donné de puce, ok. 1. Continuez santé 5. Ah, mais non! Bout principale région, au fur et à mesure que vous marchez, vous passez à côté d'un carré de pouce rempli de trous. Ah oui, c'est ce machin-là qui nous crache, je sais pas quoi. Là. Santé 119 baroque. Bout. Aïe, j'ai pris cher. Principe 1. Suivant bout. Bout principale région, la lumière du soleil traverse la canopée en attrapant le pollen scintillant dans l'air. Vos chances. 1. Continue. On y va. Bout principale région, les rochers se regroupent ici pour former un chemin étroit. Des plantes bulbeuses poussent sur le. Ça en connaît. 1. Continue. Bout principale région, la lumière du soleil traverse la canopée en attrapant. 1. Continue. Allez. Bout principale région, au fur et à mesure que vous avancez, une machine vous charge depuis le feuillage. Non, c'est encore elle. 1. Suivant. Au secours. Bout principe 1. Tirez bout 2. Frappez bouton. Ça pas suffi, hein. Allez, tiens. Bout principale région, vous vous rapprochez et frappez la machine à étincelles avec votre lame, mais gardez-la peu. Profonde. Il se connecte, traitant santé 15 dégâts. Vide, la machine à étincelles lève une main, puis la coupe sur vous, mais vous esquivez leur attaque. Musclez vos blessures guérissent au milieu du combat. Vous régénérez. Vide, 15 CV. Yes, nickel. 1. Suivant. Bout principe 1. 2. Frappez bouton. Tiens. Bout principale région, vous tombez en avant et frappez la machine à étincelles, sans viser quoi que ce soit de vital. Il se connecte, traitant santé 16 dégâts. Tiens. Vide, la machine à étincelles lève sa jambe, puis la claque sur vous, mais vous esquivez leur attaque. Nickel. Bouton 1, suive. Bout principe 1, tirez bout 2, frappez bouton. Tiens. Bout principale région, vous avez poussé votre lame vers la machine à étincelles avec un coup débilitant. Il se connecte. Traitant santé 17 dégâts. Vide, la machine à étincelles explose soudainement dans une explosion de flammes brûlantes. Ah non. Il se connecte, traitant santé 22 dégâts. Ah ouh, ça fait mal. Bouton 1, suive. 1. Suite. Bout principal ré. 1. Tirez bouton. 2. Frappez bouton. Ça fait très mal. 3. Spécial. Bouton. 4. Maîtrisez bouton. 2. Frappez bouton. Bout principal région, des étincelles jaillissent du châssis de la machine. Ses mains rouillent télé. Biogre vide. Chargez 3 charges. 1. Tirez bouton. Je peux pas faire ça. Non. 2. 3. 4. 5. D. 4. Maîtrisez bouton. Maîtriser. Voilà, tiens. Bout principale région, vous tirez un coup de semonce à quelques centimètres de la machine à étincelles. Sortez d'ici. Allez, oust. Maintenant, blessé et maintenant conscient du danger auquel vous faites face, la machine à étincelles se retourne et s'enfuit. Vide, vide, vide. Bouton 1, suivant. Non, je n'entends rien. Putain, c'est nul ce machin. Bout principale région, il y a des empreintes ici dans la terre. Ils ressemblent à des animaux et sont rangés. J'ai combien de santé? Santé 97/105. Oui. Bout principe 1, continuez santé 5 boutons. 2. Retour 3. Au 1. 2. Retour santé 16 boutons. 1. Continuez santé 5 boutons. Oh non. Non, c'est les tourelles. Bout principal au-dessus de votre tête. D'autres coups de feu. Plus aucune explosion ne vous parvient. Vide. Que diable. Vous fixez l'arbre où l'explosion a frappé. C'est à plusieurs mètres au-dessus de votre tête. Était-il même dirigé contre moi? Vide. Le son d'un tir laser vient d'en haut. Vous vous levez en position accroupie et avancez lentement. Vide. Avec tout ce bruit, ai-je même besoin de me faufiler? Bouton 1, suivant. Oh là là là. Bouton principale région, vous regardez à travers le fourré. Dans la clairière devant nous, un échange de tirs à 3 secondes. Déroule. Un extraterrestre à la peau violette clignote dans et hors du camouflage, disparaissant et apparaissant. Ses ailes transparentes flottent follement, lui donnant de l'élan alors qu'il se précipite avec son CR stick. Oh, un peu moins de bruit là, hein. Vide, il ne donne que des ennuis aux deux autres. Vide. Un humain aux cheveux roux est coincé derrière un rocher cendré. TSSPSS Pshaw, un jet sauvage de lumière écarlate jaillit sur sa couverture. Elle semble avoir un réglage automatique. Aucune de ces explosions n'a touché l'extraterrestre, mais cela l'empêche de se rapprocher. Ok. Vide, peut-être que la plus calme des trois est la machine humanoïde à l'aspect d'acier. Ils sont battus.
et fumant, mais établissent habilement leur propre barrage à leur qui mitraille à gauche et à... Ça fait un petit peu de bruit, attendez. 12%, 8%. Ah. Droite, même comme ils le font, leur torse continue de faire face à leurs adversaires. Bouton 1, suivant. Alors, allons-y. Bouton principale région, que fais-tu? Le combat semble être lié, mais vous pourriez aider à renverser la situation ou... Simplement rester en dehors de cela. Vide. 1. Aider l'humain bouton. 2. Aider la machine bouton. Non, on va plutôt aider l'humain. 1. Aider l'humain bouton. C'est parti! Bout principale région, cette femme a l'air coincée, j'ai besoin d'aider. Vous dégainez votre gunblade et alignez votre canon avec la machine bipède, ensuite, vous appuyez sur la gâchette. Vide, montrez. La machine bipède tombe, un trou brûlé sur le côté de son châssis. Vide, l'extraterrestre volant se retourne, les yeux d'obsidienne écarquillés, vous sautez hors du fourré. Et commencez à leur tirer dessus, il sur l'aile, et commencez à leur tirer dessus, il s'écarte du chemin, soudain sur le pied arrière, ou plutôt, sur l'aile. Vide, je suis là pour vous aider, vous criez, la femme court autour du rocher, pistolet serré contre, sa poitrine. Vide, merci beaucoup, je pensais que j'étais fichu, s'exclame DL, l'extraterrestre fait tourner sa perchée, se renfrogne, c'est un air renfrogné. Vide, pour Xir, il crie point, il n'a clairement pas peur d'apporter une lance à une fusillade. Bouton 1, suivant, 1, suivant. Ah, on va sauver une femme en détresse. Bouton principale région, un extraterrestre à la peau violette vous fait face, une perche à la main, il a des ailes. Ok, c'était prêt. 1, tirez bouton. On va faire ça. Tiens. Bouton principale région, vous vous accroupissez sur un genou et tirez sur le bipède extraterrestre ailé, il se connecte. Traitant santé 17 dégâts. Voilà. Vide, le bipède extraterrestre ailé vous lance un jet d'acide avec son percuteur. Oui. Vous êtes recouvert d'acide grésillant. Tu arrêtes de faire ça. 1, suivant. On ne fait pas ça. Bout principale région, un extraterrestre à la 1, tirez. On tire. Bout principale région, vous appuyez sur la gâchette et tirez une décharge écarlate sur le bipède extraterrestre ailé. Il se connecte, traitant santé 17 dégâts. Pourquoi je fais un peu moins? Avant, je faisais au moins 20 de dégâts. Comment ça se fait? Vide, l'acide brûle votre peau. Vous ne pouvez pas vous régénérer. Le poignarde avec son percuteur, mais vous esquivez son attaque. Tiens. Vide, bouton 1, suivant 1, suivant bout principe 1, tirez bouton. On t'a achevé, toi. Tiens. Bout principale région, vous mitraillez sur le côté et tirez sur le bipède extraterrestre ailé. Il se connecte, traitant. Santé 14 dégâts. Voilà. Vide, l'acide brûle votre peau. Aïe. Vous ne pouvez pas vous régénérer. Le tir de l'acide avec son percuteur. Vous êtes recouvert d'acide grésillant. Vide, bouton 1, suivant. Bout principal 1, tirez. On va t'achever. Ah non. 2, frappez bout 3, spécial, 4, maîtrisez bouton. Voilà, on va faire ça. Bout principal région, vous vous baissez sous le balancement du CR stick de votre adversaire, puis le fait tomber de ses mains. Vous pointez le canon carré vers leur visage. Allez, maintenant, si vous voulez vivre. Bien sûr, il se renfrogne, mais se retourne et s'enfuit. Vous cassez la perche sous votre pied. Vide, vide. Vide, bouton 1, suivant, 1, suivant, bout principale région, la femme arme son fusil, un sourire éclatant sur le visage. Vide, maudit hostile, j'ai couru dans la machine quand j'étais en éclaireur, puis, par chance, 1, Iri est venu et s'est joint à moi, j'aurais été grillé si ce n'était pas pour vous, je ne peux pas vous croire les a épargnés, cependant, ils reviendront juste plus tard. Vide, qu'est-ce qu'un Iri? Le traducteur n'a pas compris ce mot, bizarre. Vide, la femme vous regarde, les yeux écarquillés et la mâchoire relâchée. Vide, Airi, répétez-elle, vous clignez des yeux, les extraterrestres, les Iri, c'est comme ça que les extraterrestres s'appellent, décidément, tu devais vivre sous un rocher tête. En gros, je pense que tu devais vivre la tête sous un rocher, je pense que c'est ça la traduction. Puis vous regarde avec une expression prudente, vous n'êtes pas des tribus extérieures, n'est-ce pas? Vide, non, répondez-vous honnêtement, elle a l'air inquiet, probablement une bonne réponse à donner. Bouton 1, suivant. Bout principale région, bon, elle soupire, les épaules se détendant. Je m'appelle Rivet, au fait, je suppose que tu es de l'une des colonies en ruine, pas étonnant que tu sois un peu planant. Ça veut dire quoi, ça ce sera un jugement. Vide, vous faites claquer votre langue, je ne devrais probablement pas la corriger, je suis Freddy. Alors, d'où viens-tu? Vide, colonie Delta au nord, nous repoussons les attaques régulières des Iri, et la colonie est à court de ravitaillement. Je suis venu chercher, mais, elle agite la main, il n'y a presque rien autour, une perte de temps totale. Bouton 1, suivant. Bout principale région, Rivet vous regarde et lève un sourcil. HMM, en fait, tu es plutôt dur. Tu devrais revenir à Delta avec moi. Je veux dire, ce n'est pas exactement comme si cette région était hospitalière. N'est-ce pas? C'est juste au nord d'ici, comme je l'ai dit. En parlant de ça, je devrais revenir. Dès que possible. Ok. E accent grave. D.
vie, dès que possible. Oh, et ici, pour m'avoir sauvé la vie, Rivet fouille dans ses poches et dépose un certain nombre de jetons dans vos mains. Ah, la seule monnaie merci. Qui compte de nos jours, les a trouvés plus tôt. Vous l'avez bien mérité, mon ami. Vide, et sur ce, Rivet s'éloigne avec un fusil à la main. Vide, vous obtenez puce électronique 100. Bouton 1, suivant. Quoi, c'est tout? J'aurais pu être plus généreuse. Je me suis mis en danger pour toi quand même. Bouton menu, principale région, vous marquez une pause et attendez qu'elle soit hors de vue, puis fixez les jetons dans votre main. Alors, Esra, qu'en penses-tu? Je suis surpris, honnêtement. Conflit entre factions, on dirait que les choses vont vraiment mal. Cela dit, cette colonie humaine semble être un bon endroit pour obtenir des réponses. Et il y a le début d'un chemin menant au nord de cette clairière, donc ça devrait être facile à suivre. Ouais, mais pas aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi, me reposer. Je veux être prêt à tout. Je comprends ce que tu veux dire. Vide, vide, vide. 1, suivant. Eh bien, voilà, voilà. C'est là-dessus qu'on va se laisser, je pense. On a vu pas mal de choses. Bouton, principale région, vous vous tenez dans la clairière. Ouais, c'est juste. C'est pas mal. Franchement, on avance petit à petit. Mais là, à chaque fois qu'on fait des petites incursions, il se passe des choses, et pas des moindres, hein. Là c'était un épisode plutôt assez riche, avec un souvenir, pas mal de combats, et on n'est pas encore décédé, hein. Je sais qu'il y en a qu'à attendre avec impatience que je me prenne un petit fail, mais pour l'instant ça n'est pas venu. Ça viendra peut-être plus tard, hein, parce que... Bah, qui sait ce que ça nous réserve, qui sait. On sait pas ce que nous réserve la suite du jeu, enfin moi je ne sais pas, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus avancés que moi, et je vous remercie encore une fois de ne pas m'avoir spoilé, parce que j'apprécie vraiment le jeu, et voilà, je découvre petit à petit, et je suis vraiment surpris en bien d'un tel jeu. Encore une fois, je le redis, je ne pensais pas accrocher autant. Parce que c'est pas vraiment mon univers de prédilection. La SF un peu futuriste, comme ça. Mais j'accroche. Franchement, c'est cool. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Et sinon, bah, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt sur Trigger.